Salut mes amis. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réunir du texte avec un cadre. Par exemple, si on veut mettre un prénom dans un cercle et lier les pièces ensemble. Alors c'est parti. Donc on est sur XCS. On va prendre la fonction texte. Qu'est-ce qu'on va écrire? Allez, on va mettre mon prénom. Hop, Julien. On va l'agrandir un petit peu. On va changer la police, on va mettre une police en script. Alors là, c'est un bon exemple. Donc comme on voit, les lettres se superposent, donc il faut lier le texte. Donc on sélectionne le texte, on va sur soudure. Voilà, comme ça, à ce niveau-là, tout est soudé. Alors ensuite, on va faire... Hop, on va insérer un ovale. Voilà, donc on va le mettre dessus. On va faire en sorte que l'ovale touche à ce niveau-là, à ce niveau-là, et à ce niveau-là, le texte. Donc là, on va enlever le cadenas pour pouvoir modifier l'ovale. On va l'étirer un petit peu comme ça ici on a une zone de contact. Alors là, on a un raccord, et là aussi. Donc là, on est bon. Donc on va... Hop, on sélectionne l'ovale avec ligne extérieure. On va créer donc une épaisseur, 5 mm, ça fait un peu beaucoup. On va laisser 4, qu'est-ce que ça donne? 4, ouais, c'est bien. Donc voilà, donc on a ça. Alors une fois qu'on a ça, on va donc sélectionner... Alors là, j'ai sélectionné le texte, on va le prendre du bas. On va sélectionner les deux parties ovales. Alors on va les grouper. Voilà. Comme ça, quand on en sélectionne une, on voit bien que les deux se sélectionnent. Donc on les sélectionne, on va sur combiner, et là on va faire soustraire le chevauchement. Alors si on regarde, donc en sélectionnant ça, si on met sur gravure, on voit que là, ça grave tout l'intérieur. Donc le but c'est de faire juste la zone de 4 mm qui fait le tour. Et en mettant graver le remplissage, on se rendra mieux compte. Voilà, donc là si je fais combiner, soustraire au chevauchement, donc en fait du grand disque... Il va soustraire le petit disque et on obtient donc juste le pourtour. Donc on va se remettre en mode contour. Et donc là, une fois qu'on a ça, bah c'est tout simple. On sélectionne donc l'ensemble, donc le contour plus le texte. Et on fait donc combiner, lier. Et là, on voit bien donc il a soudé le texte au contour. Voilà, comme ça, il y a des points d'accroche. Voilà. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel rapide. À la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et pensez au petit pouce bleu. Au revoir.